Bonjour Colette. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis une des anciennes élèves, je crois. En fait, j'ai 83 ans, mais je suis toujours aussi passionnée par le piano depuis ma petite enfance, même s'il y a eu des interruptions pendant plusieurs années en fonction du travail, des obligations et la difficulté de faire suivre les pianos. Donc toi, Voilà. tu as joué du piano depuis toute petite. Alors, oui, j'avais 6 ans quand j'ai commencé. J'avais 6 ans et je n'avais pas de piano chez moi. Mais j'allais chez une voisine, une Oui. très très vieille dame, avec une maison très très sombre, un piano très très noir et tout. Mais j'allais tous les jours faire, j'avais peur un petit peu. J'étais petite, donc D'accord. j'avais peur. Mais le piano, ça m'attirait, ça m'a attiré. D'accord. Et voilà, donc j'ai commencé quelques cours avec, bien sûr, la méthode rose. C'est-à-dire que mon père souhaitait qu'un de ses enfants fasse de la musique. Donc, ma sœur aînée a évité, mon frère, le suivant, a évité aussi. Donc, j'étais la dernière et Tu j'ai... pouvais pas dire non. Voilà. Mais ça m'a plu quand même. J'ai dû faire 5-6 ans à peu près. C'était vraiment à l'ancienne. C'était très strict, c'était l'heure de leçon, le programme, le solfège, on commençait par le solfège, on faisait c'était très 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 sévère. Et D'accord. alors finalement, j'étais un petit peu pas rebelle, mais j'avais la méthode rose, mais en bas, j'avais l'histoire de la musique. Ah. Et alors en faisant mes exercices, je faisais mes exercices et je lisais l'histoire de la musique. J'ai arrêté à 12 ans. Là, on entre dans une maladie très grave, donc j'ai arrêté à 100 ans. D'accord. Pour très longtemps, Oui. puisqu'après, ça m'a repris. Ça n'avait peut-être pas lâché, mais ça a repris, je devais avoir plus de 40 ans. T'as des enfants, oui, et Oui, j'ai une fille, oui. J'ai essayé parce que j'avais pas de piano à l'époque, donc elle avait appris la guitare. Alors j'ai essayé de faire un peu de guitare. La musique m'attirait quand même toujours, hein. Bon, j'en ai toujours beaucoup écouté. Mais il se trouve qu'un été, j'allais chez mes voisins pour arroser les fleurs, etc., ouvrir la maison, et il y avait un piano. Et je regardais ce piano, je le regardais. Et puis un jour, je l'ai ouvert. Et puis j'ai posé mes doigts dessus. Il se passait quelque chose. Donc tous les jours j'allais, oh, les plantes ont été bien arrosées cet été-là. Donc tous les jours j'allais arroser les fleurs et j'ai essayé. Alors j'ai cherché, j'ai retrouvé ma méthode rose dans les papiers. Donc j'ai repris ma méthode rose. Et puis c'est tout. Puis les voisins sont rentrés, donc j'avais plus de piano. voilà. Et j'ai eu la chance que mon mari ait compris l'intérêt que j'avais. Et pour mon anniversaire, il m'a offert un piano. Oh, voilà. Le fameux Sauter que j'ai toujours. Et là, j'ai eu la chance que dans mon travail, il y avait un petit groupe de musiciens, D'accord. dont une dame qui jouait du piano, qui avait fait le conservatoire et tout, qui jouait très très bien, et qui m'a embarqué à jouer du quatre mains. Et finalement, on a réussi à jouer 2 fois. On a fait un petit concert en fin d'année devant beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de musiciens. Il y avait un guitariste, il y avait un clarinettiste. Enfin, il y avait plusieurs d'autres qui chantaient. Ceux qui jouaient pas d'instrument chantaient. Enfin, on faisait un petit concert de fin d'année. Voilà. Mais entre nous, comme ça, c'était pas une institution, hein, du tout. C'était malheureusement, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à la suite d'un accident que j'ai eu. J'étais quelques mois en fauteuil roulant, etc. Donc à ce moment-là, j'ai le piano, je pouvais plus. Voilà. Donc après, j'ai recommencé à marcher, mais je suis tombée et je me suis cassé une épaule. Bon, d'accord. Bon. Hein? Bon. Oui, Voilà. Et là, c'est du point. après, l'autre épaule, il a fallu l'opération, etc. Donc, j'ai arrêté pendant des années. Et je ne pouvais pas jouer, mais je regardais mon piano et tout avec envie, mais c'était impossible.
C'est comme ça, j'étais coincée, je regardais sur Internet, je regardais. C'est comme ça que j'ai découvert un beau jour un blog. Ah voilà. Un blog, j'ai commencé à suivre. J'ai un de mes petits-fils qui est venu et qui s'est installé au piano. C'est Oui. incroyable, les jeunes, c'est. Il s'est installé au piano, il n'a jamais appris ni solfège ni rien. Il s'est mis au piano et blum, 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 blum. Il jouait, c'est impressionnant. Alors il me disait, tu devrais t'y remettre, tu devrais t'y remettre. Je dis, dès que je pourrai. Mais... Et puis voilà, alors j'ai suivi. Oh, c'était très drôle. Hein. Un été, tu avais fait un... C'était tous les jours, il y avait quelque chose. Un été, tu répondais à des questions. Ah oui, sur YouTube, sur la chaîne YouTube, voilà, je répondais aux questions, je faisais une vidéo par jour, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et Oui. là, et un beau jour, je t'ai vu avec un petit post-it et tu as répondu à une de mes questions. Bah oui. Je demandais Hanon, puisque j'avais entendu dire que Hanon était décrié, donc je te posais la question sur Hanon. Donc, et après, j'ai suivi, puis peu à peu, j'ai hésité, puis les doigts sont revenus un peu sur le piano. Et il a fallu tout reprendre au début, c'est incroyable. J'ai très vite récupéré la lecture des notes. Bon, donc la lecture de partition, pas de problème. Voilà, ça c'était bon, mais c'est plus au niveau physique des doigts. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai un blocage, je peux, donc je dis, je ne peux pas apprendre par cœur, ça, j'arrive pas. Bon, par contre, tu arrives à jouer avec une partition devant toi, tu arrives à Oui. jouer le morceau, à l'apprendre, à mettre des nuances, à Oui. l'interpréter avec la pédale, des choses comme ça. Tout ça, tu arrives bien. Oui. Et c'est au moment où tu apprends par cœur. Oui, que ça bloque. Ça bloque, d'accord. La première fois que j'ai fait une audition, puisque en fin d'année, quand on est, il y avait une audition, Oui. c'était dans une grande salle, c'était au casino. Casino d'Arcachon. Okay. Et j'étais toute petite, 7 ans, quelque chose, j'étais la première à passer. J'ai commencé, il y avait la partition, et puis naturellement, j'ai recommencé deux fois la même ligne. Ça arrive, oui. Une petite sonatine de Clémenti. J'ai recommencé deux fois la même. Et je sais pas, est-ce que c'est ça qui m'a traumatisée, mais je n'ai jamais pu apprendre par cœur. D'accord. C'est pas une question d'âge. Oui, c'est ça. C'est pas une question de maintenant où ce serait plus difficile qu'avant. C'est pas cette question. C'est plus profond. Oui, c'est plus profond. Est-ce que c'est un problème que tu voudrais vraiment surpasser ou est-ce que tu te dis, après tout, je peux jouer de la musique avec des partitions et finalement, ça ne me gêne pas? C'est quoi ta position par rapport à ça? Oui, mais je regrette parce que j'aimerais pouvoir m'installer et puis jouer comme ça. Mais je suis là, rivée à mes partitions. C'est dommage. J'envie les gens qui s'installent et puis qui jouent comme ça. Parce que j'ai pas de problème de mémoire en général, hein. Alors j'ai essayé un temps de faire des dictées musicales pour essayer. C'est ça, j'arrive pas à synchroniser ce que j'entends, ce que je joue. La chose, c'est que toi, tu as appris en lisant. Donc, du coup, tu es plus à l'aise de lire une C'est partition et de vrai. la restituer. Donc, si on te montre quelque chose sans partition et que tu dois le répéter, pour toi, c'est plus compliqué parce que tu n'as pas la référence, en fait. Mais si j'essaie de jouer par cœur, j'essaie. Je panique. C'est-à-dire, je commence et puis je panique et je suis D'accord. obligée de reprendre la partition. C'est le cas actuellement puisque je joue la valse d'Amélie Oui. qui est simple finalement. Mais je pars, j'arrive à, bon, la première ligne, je vais essayer par cœur et puis paf. Tout d'un coup, je sais plus où j'en suis, je sais plus. On peut bien quand même s'amuser, avoir du plaisir, sans jouer par cœur. Hein. Bon. Sûr. Quand tu es en train de jouer du piano, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait de jouer du piano? Quelle sensation ça te donne? Quel sentiment? Ça fait partie de moi finalement. Ça fait partie de ma vie. On s'est quitté, on s'est retrouvé, on s'est quitté, on s'est retrouvé. Mais c'est toujours quelque part c'est toujours dans ma vie quelque part, même si pendant des années je n'ai pas
jouer. Je n'ai pas approché un piano physiquement. J'ai toujours cette attirance pour la musique. J'aime bien la musique en général, mais le piano, ça me bouleverse. Je me trouvais un été, il y avait Arthur Rubinstein qui faisait un récital à Arcachon, toujours au casino d'Arcachon, c'est mon coin. C'était le soir, il y avait des gens qui arrivaient très bien habillés. Moi, j'étais jeune, hein. Je n'avais pas accès, bien entendu, à ces concerts qui étaient sûrement chers, très guindés, etc. Je suis restée dans le parc. J'ai commencé à entendre le piano. Et je suis restée, j'ai assisté à tout le concert, assise sur un banc dans le noir, dans le parc du casino qui pouvait faire peur. Bien Je suis sûr. restée là, j'ai écouté tout le concert et c'était une merveille, pas seulement Rubinstein, je connaissais sans plus. Ça a été merveilleux, ça m'est resté. Ça m'est resté toute ma vie. Je sais pas, j'aime le piano, j'aime le piano. C'est pas, c'est physique. Est-ce que tu joues tous les jours et quelle partie de la journée, combien de temps tu consacres au piano? Bon, disons que maintenant, je ne peux pas faire plus d'une demi-heure. D'accord. Je fais une demi-heure par jour. Je n'arrive pas à faire plusieurs fois dans la journée. Là, je fatigue. Une demi-heure, ça va, et après, je peux plus. Aujourd'hui, ouais. Disons que le piano est là, puisque j'en ai été privée aussi pendant 3 ans, puisque j'ai déménagé et que je n'avais pas la Oui. possibilité d'avoir le piano. Donc, j'ai fait sur un petit Yamaha. Là. Oui. Donc, mais là, je sais pas, quand j'ouvre mon piano, je sais pas dire, je suis dans un monde qui est, c'est vrai, j'oublie tout, c'est un lieu commun, mais j'oublie tout le reste, ça c'est Voilà, sûr. c'est ça. Je n'arrive pas à récupérer le niveau que j'avais, vers à 40 ans, là où vraiment, à ce moment-là, j'ai beaucoup progressé, et là, je travaillais beaucoup. Là, D'accord. je travaillais beaucoup, je travaillais tous les soirs, bonne heure, entre midi et 2 heures, puisqu'on avait une pause, j'avais un piano pas très loin de mon bureau, donc là j'avais beaucoup progressé. Alors qu'est-ce que je jouais? Ben, je jouais des valses de Chopin, j'en ai joué plusieurs. Mozart, notamment les quatre mains, c'était une sonate 82 de Mozart, je ne sais plus laquelle, hein, je ne me souviens pas du numéro. Et puis aussi une transcription de la 40e symphonie. Alors là, c'était extra parce que ça, voilà des choses comme ça. J'étais envoûtée un peu par Satie. J'ai beaucoup écouté Satie. Je suis allée voir sa maison à Honfleur. En fait, tout ça, Satie me plaît beaucoup. J'ai dû jouer Brahms un peu. Mais c'est vrai que pour des œuvres comme ça, bah, il faut pouvoir mettre ouais, 1 heure, 1 heure et demie par jour. C'est ça, hein, pour pouvoir les monter, parce qu'il faut du temps, quoi. C'est ça. Dans le futur, tu auras peut-être la possibilité d'en faire un petit peu plus, on ne sait pas. Ma situation personnelle ne me permet pas de faire davantage. Il faut une certaine disponibilité. Je veux dire, plus jeune, on arrive à faire le travail, les soucis, tout ça, mais on peut arriver à faire abstraction de ça. Arriver à un certain âge, Là, c'est c'est plus plus au niveau mental, dur. disponibilité, quoi. C'est même pas physique, en fait. Non, c'est mental. Oui, tout à fait. Si un jour je suis libérée de ces soucis, peut-être que je pourrais davantage le faire. Parce que là, je me suis accrochée hein, pour la danse d'Amélie, puisque je suis dedans. Je me suis accrochée hein, pour arriver. Est-ce que de temps en temps, tu prends des cours de piano avec un professeur ou pas du Non, tout? pas du tout. Ah, Non. pas du tout. J'ai un professeur qui me suffit. Non, mais le système me convient parfaitement. Je me rends compte, je pourrais pas avoir à côté de moi un professeur qui me dit là, plus vite, plus fort, plus. Ça, je ne pourrais pas. Je suis sûre que je m'arrêterai net. C'est sûr. Donc, ce système, moi, me convient parfaitement.
Parce que c'est quand je peux, j'aime pas être bousculée. Le système des formations en ligne, c'est toujours disponible. Toi, quand tu es prête, eh ben voilà, tu vas regarder ta vidéo, tu vas prendre ta partition, tu vas travailler. Si tu as besoin d'écouter, tu peux entendre la version enregistrée. Ça te permet de travailler quand tu veux, où tu veux, sans pression, en fait. Ça, c'est très précieux. Oui, Ça, pour ce toi, c'est système l'idéal. me convient parfaitement, je pense. Et puis, je sais pas, cette contrainte à telle heure, de telle heure à telle heure, la leçon du piano, il faut, ah, non, non, je peux plus. Je m'étais toujours promis que le jour où je serai à la retraite, je ne prendrai plus d'obligations tel jour, à telle heure. Ça, c'est fini. Donc, y compris le son de piano. T'as besoin de liberté là. Dans Plaisir Piano, c'était bien plus détaillé. Ben, ça me permet, moi, qui n'ai pas de professeur ni rien, d'aborder une partition dans le plus lentement. Dans Plaisir Piano, ce qui est agréable aussi, c'est de se retrouver régulièrement avec les autres membres de la formation pour échanger un petit peu. On se sent moins isolé. On est, ça, c'est important. Ce qui n'est pas partout. Bon, certains, il y a des sortes de masterclass, et puis il faut payer pour assister à la masterclass. Et puis ça permet, lors de ces coachings, c'est aussi de poser quelques questions comme ça qui ne viennent pas forcément dans comme ça. Et là, on est, grâce aux questions des autres, ça entraîne une autre interrogation et tout. C'est très enrichissant. On se rend compte que les autres aussi ont des difficultés. Mais oui, parce qu'en fait, quand on voit les vidéos des autres personnes, on les voit sur le produit fini, sur le morceau fini, bien en place, etc. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont l'air doués, qu'est-ce qu'ils travaillent bien, qu'est-ce qu'ils jouent bien. Mais en fait, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a eu derrière, des efforts. Mais il Et n'y a pas de jugement, c'est ça qui est bien, il n'y a pas de jugement. Mais je crois que la contrainte du professeur de piano, physiquement, sur place et tout, c'est, j'aime pas, ça me bouscule tout. Je crois que les leçons de piano par un professeur, à mon âge, c'est terminé, hein. tu as participé au challenge 21 jours donc pour monter un morceau. Donc c'est là que tu as travaillé la valse d'Amélie Poulain. Et qu'est-ce qui t'avait poussé, toi, à t'inscrire à ce challenge en particulier? Qu'est-ce qui t'a attiré? Eh bien, c'est parce que c'est arrivé à un moment où j'avais besoin d'un repère, quelque chose qui remplisse ma vie pendant, et là, pendant 21 jours, ça m'a permis de penser à autre chose et d'être sur la valse d'Amélie et de, je sais pas, j'avais l'impression de reprendre, de reprendre au début. Bon, alors j'ai joué ça, et puis j'ai, parce que Plaisir Piano on le fait, bon, mais après, c'est là, après on sait plus, on revient sur certains morceaux, on essaie, mais tandis que là, c'est vraiment quelque chose de précis, on a un calendrier. Avant, il y a eu les 21 jours aussi Ah oui, des d'exercice. exercices, oui. Oui. Ben c'est pareil, ça me plaisait plus parce que c'était court. Bien Oui, sûr. c'est bien un petit cadre un petit peu, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire, il arrive un âge où le long terme, on n'y pense plus trop, hein. Ça t'a aimé et qu'est-ce que t'as le moins aimé dans le challenge? Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas aimé? Eh bien, c'est-à-dire, moi, c'est la difficulté, c'est l'enregistrement. J'aime pas, sans doute, être observée. Ça doit être quelque chose comme ça. Parce que maintenant, la valse d'Amélie, je la joue bon, très à l'aise, mais si je dois enregistrer, ce qu'il va falloir faire, je sais bien, ça va me paralyser. Et quand j'avais fait du 80, justement, bon, on jouait la 40e, c'était bon, c'était vraiment au point. Et quelqu'un s'est approché avec un caméscope à Ah l'époque. oui. Et il s'est approché, il est venu sur nous comme ça pour filmer. Bon, alors là, ça a été la catastrophe. Je ne savais plus où j'étais, je savais plus rien. Je me suis arrêtée, heureusement, à côté de moi, on a continué. Après, j'ai repris.
Mais rien que quand la caméscope s'est approchée, ça. C'est impressionnant, hein, c'est vrai, c'est impressionnant. Ça, c'est un peu ma difficulté dans le système Oui, des formations en ligne, du de coup. formation en ligne, oui, c'est ça. Et est-ce que tu as senti une transformation entre le début du challenge et la fin du challenge? Est-ce que tu as senti un progrès ou... Ah oui, il y avait un but précis, un morceau précis, parce que sinon, comme je suis allée au bout là, de plusieurs pianos, alors un jour, bon, je disais, oh, je vais jouer un petit peu ça, et puis un petit peu ça, je reprenais les... Et finalement, là, c'est d'avoir un but précis, le choix du morceau, et après de dire, bon, celui-là, je vais l'amener du début à la fin. Ça, c'est très intéressant. Parce D'accord. que c'est limité dans le temps. Il y a un cadre. Ça, c'est intéressant. C'est bien d'avoir, de le prendre du début à la fin, comme ça, dans un temps assez court, finalement. Et puis avec le bilan, parce que j'ai regardé la vidéo du premier enregistrement, d'un séparé, comme ça, c'était vraiment au ralenti. Et puis c'était amusant de voir que, et rassurant de voir que les autres aussi, des hésitations, Voilà. des mains qui tremblent, tout ça. Oui, c'est ça, se rendre compte en fait de l'envers du décor et que pour les autres aussi c'est difficile et parfois pour d'autres raisons. Et là, dans le futur, est-ce que après la valse d'Amélie, tu aurais envie de faire quelque chose? J'aimerais bien revenir au classique parce que je préfère vraiment. Je préfère le classique. Ça m'amuse de voir. Je me sens plus pénétrée quand, je sais pas, c'est Émotionnel, hein, c'est normal, c'est. émotionnel. Oui, Bah tout oui, à fait. ça s'explique pas, je dirais. Oui, c'est vrai. J'enrage de ne pas pouvoir rejouer des morceaux que j'ai pu jouer. Je n'arrive plus à retrouver cette aisance, si on peut dire. Je regrette bien. Regarde de temps en temps, je prends des partitions, ce que je jouais. C'est pas possible. Je jouais ça, moi. Je sais pas, des éditions simplifiées, mais une Rhapsodie de Liszt, j'ai joué ça. J'adorais ça. Alors, je regarde la partition, maintenant je dis, c'est pas possible. C'est passé, ça. Je crois que c'est passé quand même. Parce qu'il y a une souplesse dans le cerveau. Oui. J'ai pris, mais je n'ai pas commencé. Ah, voilà, scène d'enfant. Je l'ai, mais je n'ai pas commencé. J'ai commencé, disons, parce que la partition, c'est vrai qu'elle est curieuse au départ. Quand on la regarde comme ça, elle est curieuse alors. Donc, j'ai écouté ce que tu as expliqué, la partition. Mais bon, là, je suis pas allée au-delà. Il faudrait que je dise ça, par exemple. C'est joli, c'est plaisant, c'est intéressant. Les plaintes d'une poupée, là, de Franck, de César Franck. En fait, c'est plus sentimental. Parce que Ah, voilà. justement, la personne avec qui je faisais du quatre mains, Oui. qui a disparu depuis, et m'avait dit, tu devrais jouer ça. Je l'ai jamais fait, mais tu devrais jouer ça. Parce qu'à l'époque, ça devait être, qui me Oui. correspondait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai ça dans la tête. Il va falloir que Il va faut que falloir je le fasse. le faire. Oui, il va falloir le faire. Oui. C'est une bonne idée. Bon, Oui, donc voilà. des projets alors. Oui, il faut. De temps en temps, des petits coups de pouce comme ça sur 3 semaines pour apprendre son morceau à être. Ah oui, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça me relance un peu. Pas Ouais. tomber, être apathique un peu. Donc Eh ça oui. relance, je sais pas. C'est un but et puis on ne se sent pas seul, quoi. Parce que c'est vrai que le piano, c'est la solitude, hein, finalement. C'est vrai qu'on est tout seul devant son piano, on fait ça chez soi. En plus, on est toujours dans la même pièce. C'est notre petit jardin secret. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux personnes qui vont écouter cette interview à propos du piano, des formations en ligne et toi par rapport à ton expérience? Le message que j'aurais, c'est de ne pas se bloquer parce que on commence tard, etc. Je crois que surtout parce que dans les élèves, il y a beaucoup de personnes qui commencent à la retraite et tout ça. Alors là, je pense que c'est peut-être plus difficile que quand on a des bases étant jeune, mais je veux dire,
C'est un univers particulier, la musique et le piano. C'est le piano et vous, c'est tout. Je veux dire, si on joue d'un autre instrument, on peut être dans un orchestre, là, c'est le piano. Oui, j'encouragerais parce que c'est se retrouver, mais être aidé quand même, parce qu'on peut pas, sans contrainte, s'organiser. On s'organise en fonction de ce qui nous est conseillé, mais on adapte un peu à son rythme. On peut travailler à son rythme. Parce que quand on prend des leçons une fois par semaine, alors là, on est matraqué, il faut être prêt chaque semaine devant le professeur, tout ça. Ça, non, non. À partir d'un certain âge, on ne peut plus. Ce genre de contraintes, on ne peut plus. Donc, il faut aller à son rythme. Et la formation en ligne, ça permet justement de, eh ben, un jour on peut, un jour on peut pas. Une semaine, on est un peu bloqué, ben, tant pis. Mais c'est cette permanence, d'avoir accès en permanence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, un jour, à telle heure, tiens, j'ai envie aujourd'hui de regarder telle chose. On regarde. Alors, on a à la fois, c'est très curieux, parce qu'on a à la fois besoin d'un cadre Oui. et de la liberté. La liberté de faire ou de ne pas faire, quand ça arrange, quand ça arrange. Ça, c'est magnifique. Là, c'est une liberté. Et puis, vraiment, ces petites sessions où on se retrouve, c'est aussi très intéressant. Très intéressant de voir chacun comment on aborde les choses, comment, c'est très, Les échanges entre les membres, en fait. oui. C'est vrai que le piano, c'est quelque chose d'individuel, de personnel et on est dans sa bulle, mais on a quand même besoin De partager de avec quelqu'un. partager. Et dans notre environnement proche, on n'a pas forcément des personnes qui sont passionnées de piano. Voilà, il n'y en a pas toujours. Là, le fait d'avoir sur Internet ce petit groupe, eh bien, ça permet de, voilà, de Oui, pouvoir en parce parler. que finalement, les groupes que j'ai connus dans le passé, ces groupes de musiciens-là, c'est un peu ce qu'on retrouve finalement. Voilà, d'accord. C'est un peu ce qu'on retrouve et c'est très motivant. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on a un but de jouer merveilleusement, mais on échange. Notre but, c'est de se faire plaisir, de se faire Voilà, du bien, exactement. et d'avoir des activités qui nous font grandir et nous font du bien. Voilà, c'est ça notre but. Oui, Et c'est ça. c'est voilà, tout est l'intérêt. Et puis d'avoir effectivement un petit peu de relations sociales autour. Parce que ça, c'est vrai que c'est important. Ça, c'est Mais important. surtout quand on est isolé, enfin, géographiquement, je suis isolée de tout. Je trouve, vraiment, il n'y a rien, quoi. Autour de moi, j'ai des ânes. S'il y a des ânes, là, juste en face de moi, il y a trois ânes très sympathiques. Je Pour suis ton une fille du partage. bord de mer. Ah oui, tu es une fille du bord de mer. Et là, tu es en pleine montagne, c'est ça, tu te retrouves. Ouais. Oui, donc, bon. Voilà. C'est joli, mais peut-être que la mer te manque, ouais. Ah oui. Merci beaucoup, Colette, de nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir. J'espère avoir donné envie à beaucoup de monde de faire la même chose. J'en suis sûre, j'en suis Oui. sûre.